Écrire le nombre rationnel 19 sur 27 ou 19 27e sous la forme d'un nombre décimal. Donc on va d'abord réécrire la fraction qui nous intéresse. Ici c'est 19 27e, 19 sur 27. 19 sur 27, en fait, c'est littéralement égal à 19 divisé par 27. Et c'est cette division-là qui va nous permettre de trouver le nombre décimal qui correspond au nombre rationnel 19 sur 27. Donc en fait, on va poser la division ici. On va diviser 19 par 27. 19 divisé par 27. Dans 19, combien de fois est-ce qu'on peut mettre 27? 0 fois, parce que 19 est plus petit que 27. Donc ici, 0 fois. Et 0 fois 27, ça fait 0. Donc je soustrais 0 à 19 et je trouve 19. Pour poursuivre la division, il faut qu'on ajoute un 0 ici. Mais du coup, je pense bien à mettre une virgule ici. J'abaisse le 0 et je me retrouve avec 190. Dans 190, combien de fois est-ce qu'on peut mettre 27? Ce n'est pas si facile que ça à deviner à vue de nez comme ça, donc ce que je te propose de faire, c'est d'essayer par exemple 27 fois 6. On va essayer de calculer 27 fois 6 et voir si cela fonctionne. 6 fois 7, ça fait combien? Ça fait 42, donc j'écris un 2 ici, je retiens un 4 ici. 6 fois 2, ça fait combien? Ça fait 12, c'est bien ça. Plus 4, ça fait 16. Je trouve 162. 162, ça a l'air un peu petit. Parce que tu vois, 27, ça a 3 unités de moins que 30. Et si j'ajoute 30 à 162, je trouve 192. Et 192, ce n'est que de 2 unités plus grand que 190. Donc on dirait qu'on peut ajouter 27 à 162 sans dépasser 190. Donc en fait, ce qu'on va calculer, c'est 27 fois 7 au lieu de 27 fois 6. Mais puisqu'on a le résultat de 27 fois 6, on n'a pas besoin de faire la multiplication. On peut prendre 162 et lui ajouter 27. Et on va trouver comme résultat le résultat de 27 fois 7. 2 plus 7, ça fait combien? Ça fait 9, c'est bien ça. 6 plus 2, ça fait 8. Et 1 plus 0, ça fait 1. Je trouve 189. Et c'est bon, 189 est bien plus petit que 190. Donc dans 190, on peut mettre 7 fois 27. 7 fois 27 qui font 189. 190 moins 189, ça fait combien? Ça fait 1, tu as tout à fait raison. Pour continuer la division, on va ajouter un 0 ici, qu'on va abaisser. Dans 10, combien de fois 27? 0 fois, parce que 10 est plus petit que 27. 0 fois. Et 0 fois 27, c'est égal à 0. Donc je soustrais 0 à 10, je me retrouve 10 ici. Pour continuer la division, on ajoute un 0 ici, qu'on va abaisser. Dans 100, combien de fois 27? On va essayer par exemple 27 fois 3, pour voir combien cela fait. 27 multiplié par 3. 3 fois 7, ça fait combien? Ça fait 21. J'écris le 1 ici, je retiens le 2 ici. 3 fois 2, ça fait 6. Plus 2, ça fait 8. 27 fois 3, c'est égal à 81. Ça a l'air de fonctionner. Donc ici, on va essayer 3 fois 27 qui font 81. Je soustrais 81 à 100. Combien cela fait? Bien, pour faire la soustraction, il faut que j'ajoute une dizaine ici, donc une unité ici. 10 moins 1, ça fait combien? Ça fait 9. Pour faire cette soustraction-là, il faut que j'ajoute aussi une dizaine ici, une unité ici. 10 moins 9, ça fait combien? Ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Je trouve comme reste 19. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Eh bien oui, regarde, ici on avait aussi 19. Donc on a l'impression que la division se répète. On va continuer pour voir. Donc ici j'ai 19, je rajoute un 0 pour continuer la division. Et je me retrouve avec 190. Je me retrouve de nouveau avec 190. Et on sait que dans 190, on peut mettre 7 fois 27. 7 fois 27 qui font 189. Donc je soustrais 189 à 190, combien est-ce que je trouve? Oui, c'est bien ça, tu as raison, on trouve 1.
C'est bien ça. Pour continuer la division, j'ajoute un 0 que j'abaisse et je me retrouve ici avec 10. Dans 10, combien de fois 27? Mais on avait eu exactement ce même cas ici, tu vois. Et on avait trouvé que on pouvait mettre 0 fois 27 parce que 10 est plus petit que 27. Donc on continue la division en ajoutant un 0 ici qu'on va abaisser. Et je me retrouve avec 100, comme je me retrouvais avec 100 ici aussi. Dans 100, combien de fois 27? On a vu qu'on pouvait mettre 3 fois 27. 3 fois 27, et ça fait 81. Donc je soustrais 81 à 100. On l'avait déjà fait là, et on avait trouvé combien? 19 exactement. Et tu vois, pour continuer la division, il faudrait abaisser un autre 0. On se retrouverait de nouveau avec 190, etc. Donc tu vois, en fait, cette division, c'est une division qui se répète. Les décimales après la virgule se répètent. On a 0,703, 703. Et si je continuais la division, eh bien, on continuerait d'avoir 703, la même répétition. On va faire un peu de place et on va écrire le résultat ici. Donc on va effacer nos petits calculs. Et on a trouvé que 19 sur 27, c'est égal à 0,703, 703, 703, etc. Les décimales se répètent à l'infini. Ce gros plat, 703, se répète à l'infini. Et il y a une façon d'écrire cela. 19 sur 27. On peut aussi écrire que c'est égal à 0,703 avec une barre au-dessus du 703. Cette barre signifie que 703 se répète à l'infini. Et on a répondu à la question. On a écrit 19 sur 27 sous la forme d'un nombre décimal. Et il se trouve que c'est un nombre décimal qui a justement des décimales qui se répètent à l'infini.